S'il vous plaît, moteur. C'est le mec qui veut trop être réel. Bon, il est 13h06, on a déjà 6 minutes dedans là. On va essayer d'élaguer un peu là. C'est pas les bons termes là. Je sais pas. On est bien en 4-2-2 10 bits sur les. Messieurs, dames. Ah oui. Ah ouais, ça part hein. Ah mais mec. T'as vu ce professionnalisme. Surtout, ça commence sur un messieurs, dames, moi j'aime bien. Ouais, c'est un peu. Un peu classieux. Un peu ouais, classe. Bien sûr. Messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Maxime Biaggi. Salut, c'est Maxou. Et de Joyka. Salut, c'est Jordi. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un concept qui a déjà été fait sur la chaîne. J'ai peut-être changé le titre là. Je sais pas trop, la dernière fois, j'avais mis à qui appartiennent ces anecdotes de dates. Ouais, c'est vrai. Le titre nul. J'ai été mille fois mieux. J'en avais calculé, il y avait au moins 50. Ouais, okay. Ouais. Là, j'ai changé. C'est peut-être un truc du genre, il y a qui dans la boîte? On va remettre le... Ouais, tu peux remettre le... Ah ouais, ouais. Tiens, ouais. Bon, de toute façon, le titre changera en fonction de comment la vidéo marche. Voilà. Le concept, pour tous ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous le réexplique. Actuellement, vous le voyez, on est dans un décor un petit peu spécial. Il y a pas mal de choses derrière nous, mais surtout devant nous, il y a une boîte avec écrit « C'est qui ?» en assez gros. Très simple. Nous sommes actuellement tous les trois. On est plus ou moins en concurrence. Devant nous, il y a une boîte. Et dans cette boîte, il va y avoir des invités. Mystère, qu'on ne connaît pas. Ils vont arriver, ils vont avoir la voix déformée. C'est peut-être très mystérieux, du coup, je pense. Vous ne coupez plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Okay. Plus jamais. Ah ouais? Ah, en mode Orban, quoi. Ouais. D'accord. Les invités vont venir à tour de rôle, ils vont avoir la voix déformée, on va pas les voir du tout dès le début, et ils vont commencer à raconter une anecdote de vie. Pas forcément de date, ça peut être tout et n'importe quoi. Au fur et à mesure de l'anecdote, à un moment, je vais les couper, et je vais dire, ok, est-ce que vous pensez savoir qui c'est? Là, on se concerte et tout, on sait pas, hop, on va utiliser un premier indice. Ah, tu as? Tu sais qui c'est? Non, je voulais une question. La voix, ouais. Elle est déformée et tout? La voix est déformée. Ah, c'est le concept, ok, je capte. On va avoir un premier indice qui est juste à notre gauche, c'est une cloche. Sous cette cloche, il y a un objet en lien avec la personne. C'est souvent très subtil, donc on va pas forcément deviner du premier coup, quoi. Ensuite, la personne va reprendre son anecdote, elle va continuer tout ça. Au bout d'un moment, je dirais, est-ce que vous savez qui c'est? Si on sait pas, hop, reveal silhouette. Chaud. Si jamais il raconte encore son anecdote qu'on n'a pas du tout, on enlèvera la voix modifiée et cette fois-ci, oh, ça sera sa vraie voix. Non, c'est vraiment... Si on trouve pas dès là, parce que la voix, en vrai, déjà, il suffit de baisser le pitch un peu, c'est dans ta tête, tu peux un peu baisser le pitch. Ah, c'est vrai que YouTube, ici, il peut faire ça. Bah, moi, je suis le seul à pouvoir faire ça. Ouais. Si il m'emmerde, je le remix. Pourquoi t'as changé de pseudo? Il est nul, il était mieux. Ok, et eh bah ça va être remixé. C'est quand tu retournes à la Redbox? Mais vas-y, ça va être remixé. Un peu chiant pour toi, mais si tu le fais, c'est cool. Vas-y, j'ai un peu de temps, là, de toute façon, je fais plus rien. Oh. Wow. Oh. Tu vas faire une pause aussi? Vous pouvez jouer en temps réel avec nous. Donc, bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir y aller. Juste avant ça, je disparais. Je pense qu'il allait faire une OP, c'est pour ça qu'il est parti. Je suis dernière chose. Voilà, tu vois. Oui, parce que tu sais quoi, c'est parti faire une OP. C'est le C obligatoire. Messieurs, dames, avant de continuer, il est temps que je vous présente le partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que Honkai Star Rail, que vous commencez à bien connaître. Le jeu a été élu meilleur jeu en 2023 sur Google. C'est un jeu que vous pouvez retrouver sur PC, sur le PS Store, ainsi que sur votre mobile. Mobile, putain, j'ai 45 ans. Je rappelle, mais c'est proposé par Oyoverse, qui sont aussi les créateurs de Genshin Impact. Permettez, j'active ma voix des voix off. Dans la nouvelle mise à jour du jeu, vous êtes invités à bord du Feldpaff radieux, afin d'écrire l'avenir de Penaconi. Plongez dans un univers fantastique et héroïque, dans lequel vous aurez la possibilité, que dis-je, l'honneur, d'incarner le personnage de Lucio. Une jeune fille calme et délicate qui tantôt devient Sam lorsqu'elle enfile son armure mecha. Un personnage d'une puissance extraordinaire. Elle agit tout de suite avec une détermination sans précédent, digne des plus grands héros existants dans ce monde. Dans cette nouvelle version, vous pourrez être transporté dans une incroyable salle d'arcade dans laquelle vous allez pouvoir proposer à vos amis de vous rejoindre pour un affrontement. Que vous soyez un joueur qui a l'habitude de se connecter très souvent ou alors un joueur un peu moins régulier, vous allez bénéficier d'un nombre conséquent de récompenses dans le jeu. Vous allez aussi pouvoir retrouver des personnages emblématiques comme celui de Juan Mei que vous avez certainement rencontré dans les versions précédente. Prenez part à une aventure spatiale. Explorez les différentes planètes de l'univers d'Honkai Star Rail avec l'un des 40 personnages du jeu avec leur propre personnalité. Tiens d'ailleurs, bam, vous avez la possibilité d'obtenir 10 passes spéciaux en vous connectant au jeu 7 jours d'affilée afin d'obtenir Luciole au Juan Mei. Si jamais je vous ai donné envie de jouer au jeu, si vous êtes intrigué, je vous invite à regarder dans la description, il y a un petit lien qui vous permettra de télécharger le jeu. Sur ce, mesdames et messieurs, je crois que je vais me re-téléporter. Maxime et Joyka m'attendent. Merci Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et j'y retourne. Ah, Massi! Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Jordan, il voulait te poser une question. Ah, ouais, ah merde, j'étais pas bon. Si, il voulait te poser une question, Jordan, par rapport quand t'es parti, tu sais. Ouais, bah, je me suis juste égaré, quoi, tranquillement, petite téléportation. Il voulait savoir, bon, je te le dis, mais ouais. moi je suis pas dans ça. Mais, là, il va te dire un truc, il va te monter le bourrichon. Mais pas je du pense, tout, là, il voulait savoir si c'est comme il y avait une OP, enfin, si t'étais parti faire une OP, ouais. Et que si toi, ça te mettait bien pour tes équipes, si ça te permettait un peu d'évoluer tes équipes. Ça paye les coûts de production de la vidéo, tu vois, il y a une grosse box, tout et ça. Et Max, je voulais 8000. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Non, un 8 bits. Je voulais qu'on tourne en 8 bits sur les 40. Ah oui, bah on passe en 8 bits maintenant. Non, alors. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait, donc c'est top. Allez, Bastille. Et ben je crois qu'on va pouvoir y aller, on va pouvoir faire venir le premier invité.
pression. J'aime bien moi. T'es mal one shot. Ah, tu penses la one shot? Bah, moi, là, après, là tu peux lui dire bonjour et la personne va te répondre. Bonjour. 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 Ok. Mister MB. Je sais qui c'est, donc je vais vous laisser jouer. Vous voulez que je vous dise? Vas-y, dis-le, c'est pas. C'est tonton, le Screamer Twig. C'est ok. Ouais. Ok. Moi, je pense. C'est Travis Scott. Tu vois, là, pour le coup, j'ai un peu plus de mal à y croire, là. Eh bien, écoutez, vous pouvez commencer à raconter votre anecdote. C'est parti, allons-y. À un moment donné, je recevais beaucoup, beaucoup de lettres de fans. Lettres de fans. Oui, lettres de fans. Pour moi, c'est déjà quelqu'un de plus âgé que nous. Ouais, lettres de fans. Qui est là depuis plus longtemps. Ok. Super analyse, hein. Parce que lettres de fans, moi, je ne reçois pas, quoi. Ouais, moi non plus. Moi, j'en ai reçu beaucoup, parce que mon adresse, c'est la Pélique. Ah ouais. Il y en a pas mal, ouais. Il y avait un endroit où on pouvait m'écrire, et un jour, j'ai reçu une lettre chez moi. C'est le Père Noël. Puis, la semaine d'après, une deuxième, une troisième, d'une personne qui s'inventait des films, me racontait des soirées qu'on avait passées ensemble dans son imagination. En gros, il me disait, notre petite soirée aux chandelles, c'était super. Mon petit rêve, finalement. Mon petit rêve, ouais. Et puis, à un moment, cette personne m'a envoyé un téléphone portable. C'était le téléphone de l'amour. Oh ouais. Je pouvais le ou la contacter avec ce téléphone-là. C'est flippant. En fait, je reviens sur mon truc. Je pensais avoir trouvé qui c'était. Et en fait, je sais pas, l'intonation a fait que j'y crois plus. Tu pensais que c'était qui? Je partais sur Samuel Etienne. La même. Ah ouais, je me suis dit la même. J'étais quasiment sûr que c'était ça. Et puis quand il a rigolé, je me suis dit, ah, je crois que c'est pas Samuel. Putain, je me suis dit la même. Ça m'a traversé l'esprit. Ah, j'avais pas pensé à Samuel. Ouais, je pensais à ça, moi. Donc, histoire un peu probable érotomane en face. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, pour moi, quand tu reçois des lettres, c'est que t'es un artiste. C'est pas juste pour un présentateur, tu vois. C'est pour ça que ça m'était, à mon avis, ça marchait moins bien. Pour moi, c'est genre quelqu'un qui chante. Il y a une autre possibilité, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça peut être genre, tu vois, par exemple, je pense à Mich et moi, on a fait des ouvertures de colis et on avait, tu sais, un box externe où tu pouvais envoyer des lettres, tout ce que tu voulais, quoi. Donc ça sonne, mais c'est vrai que ça sonne vraiment comme un truc plus artiste. Non, non. Lettre de fan, ouais, ça sonne artiste. Je suis d'accord. Est-ce qu'on utilise un premier indice ou pas? Ok, moi je propose, sortez direct, comme ça on voit direct. Ouais, parce que la vidéo elle est. Parce que sinon, non, on va mettre 20 ans. Ça casse le concept. C'est sûr, ça casse vraiment le concept. Ok, bon, vas-y, alors Propal. Ouais. Vas-y. Propal, on ouvre la cloche pour voir De ouf. Qui y va? Je suis fou quoi. Vas-y. Ouais. Okay. Vas-y, j'y vais. Non, vas-y, c'est je l'ai dit. Non, mais je m'apprête à ouvrir la boîte. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les gars, je vais ouvrir la boîte et je fais ce qu'il y a dedans. C'est moi qui fais. Oh. Un petit calendrier avec samedi et dimanche. Un petit cœur, petit love. Je pense que c'est un week-end, c'est un truc qui se passe en week-end. Bah, attends, c'est pas que samedi, dimanche, c'est vraiment tous les samedis, dimanches du mois. Ah oui, tous les samedis, dimanches du mois. Tous les week-ends. Donc, ok, bien vu. Heureusement que j'enquête, hein. Il n'y a pas un chanteur qui a fait le week-end à Chicago. Le week-end à Gibraltar, en 1928. Ça, c'est très précis, ouais. Par exemple, tu vois, ça aurait été vraiment fou. Hey, attends, il y a vraiment quelqu'un. Attends, moi, j'ai un truc là. Ah là, vous venez de me. Enfin, bref, on va voir, mais. Vas-y, c'est quoi ton idée? Bah non, je dis pas. Mais si! Non, je dis pas. On est en compète, on a dit. Ah ouais, ok. Ah, okay, parce que nous, c'est comme ça. Ouais. Et tout, machin, non, mais okay. Vous pouvez débattre, donner des pistes et tout. Mais donc, on parle de Brawl Star à 3 à mettre des tempêtes à tout le monde. Et là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'amitié. Okay, parce qu'on a fait une petite pause, les gars. On a fait des petites games Brawl Star. On n'a pas perdu. On a tout gagné. On leur a roulé dessus. Mais écoutez, vous pouvez reprendre votre anecdote. C'est parti. On peut y aller. Cette personne m'envoyait des lettres toutes les semaines. Un jour, je suis pris ou prise en paparazzi. Par des paparazzi. Ok, c'est une star. Assez costaud. Je suis en couverture de magazine avec ma ou mon compagnon de l'époque. C'est une femme. La semaine d'après, je reçois une nouvelle lettre avec les pages du magazine déchirées et des têtes de mort. Wow. Sur nous. Ok. Et dans la lettre, c'était marqué « Est-ce que tu peux arrêter de me tromper avec… » Wow. Parce que ça commence à m'énerver. C'est vraiment une histoire à la Mon Petit Reine. Vraiment, ouais, c'est en mode, la personne s'est dit, je suis en couple avec toi maintenant. Je crois que c'est vraiment de l'érotomanie. C'est des gens qui sont persuadés qu'ils entretiennent une relation là, avec toi. Là, les gars, on a quelqu'un de fou, là, derrière. Ouais, je pense. Hein. Moi, ce qui me choque aussi, c'est de me dire, le gars a réussi à retrouver l'adresse perso. Donc, c'est-à-dire, à tout moment, il peut se pointer devant la maison, quoi. En fait, je veux dire, là, c'est par biais de lettres, mais... C'était une adresse perso ou c'était une adresse apparemment faite pour recevoir... Je crois que de base, il y avait une adresse faite et que là, c'était sur l'adresse perso, justement. Est-ce qu'on peut demander une confirmation, est-ce ça que, est-ce que c'est ça? Je confirme. Ouais. Mec, là, pour moi, je te jure, c'est une dame qui fait de la musique ou du cinéma. Moi, ça correspond à ce que j'ai en tête. Et qui est connue depuis, je pense, très longtemps, du style années 80, tout ça. C'est une voix très douce. Et c'est quelqu'un qu'on connaît tous.
Les gars, si c'est mon guest, sachez juste, je suis trop content. Je suis refait de ouf. Et là, tu le disais, là, par exemple. Non, je vais pas le dire. Okay. Donne-nous un indice de ce que tu penses. Ouais, voilà. Je pense que c'est une chanteuse que j'écoutais beaucoup. Mec. Je vais rien dire. On va continuer. On peut continuer l'anecdote. Ok. Donc, toutes les semaines, je recevais des lettres. Quelques mois plus tard, je me sépare de cette personne. Puis, le temps passe, mais je recevais toutes les semaines des lettres. Et puis, je me remets en couple. Et là, je reçois une lettre de ce fan qui me dit « Bon, ok, si t'es heureux ou heureuse avec cette personne, très bien, ok, c'est comme ça, je te laisse. » Je me dis « Ok, cool, enfin, cette personne comprend qu'elle ne fait pas partie de ma vie et elle va me laisser tranquille. » Je me permets, pause, est-ce qu'on utilise un deuxième indice? Parce que là, moi, j'ai envie de savoir, en fait, je suis en train de douter. Et ce serait quoi le deuxième indice? Ce serait la silhouette? Silhouette, ouais. Est-ce qu'on met la silhouette ou pas? Oui. On met la silhouette? Ok. Ok, on va pouvoir reveal. Oh, c'est dur, attends. Je sais pas si c'est des cheveux courts ou des cheveux tirés en arrière. Une casquette, j'allais dire. Non, elle est de face, je crois. Tu crois que c'est de face? Ouais, je pense que c'est de face. En tout cas, il y a une pose très stylée, un peu mannequin, je comprends mieux là. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc... Il y a une aura. Ah ouais. Mec, je suis un peu impressionné. En fait, c'est tellement c'est stylé de ouf. C'est trop stylé, on dirait un clip. Ouais, c'est ça, on dirait une cover pour un clip. Ok. Bon, bah on peut reprendre l'anecdote, allons-y. Ensuite, je me remets en couple. À ce moment-là, je sors un nouveau titre. Ok. C'est bon. On l'avait. On se rapproche de mon guess. Les paroles, c'était « Reviens, je suis pas bien, au secours, help. » Je reçois une lettre la semaine d'après de cette personne qui me dit « Mais je ne t'ai jamais oublié, j'ai toujours été là, je suis là. » En fait, cette personne avait pris les paroles pour elle, vraiment. Le temps passe, je reçois toujours des lettres toutes les semaines. Je pars en tournée, je fais un concert et il y a un soir où, dans la salle, à chaque fois que je parlais aux gens entre deux chansons, il y avait quelqu'un dans la salle qui avait un sifflet et qui sifflait. Belle imitation. Merci. Moi, en concert, je parle au public comme on se parle. Donc à un moment, ça m'a un peu gonflé et j'ai demandé aux gens « Ok, bah maintenant qui siffle ?» parce que ça commence vraiment à m'énerver. Et là, il y a 5000 personnes qui font « Donc, je vais sur le côté et je dis « Bah voilà, bon, sur 5000 personnes, je pouvais pas voir qui c'était vraiment. » Je dis « La personne qui siffle, elle va monter sur scène et on va voir si elle va continuer à siffler. » Oh, je sens mal. Je vois la personne monter et je me dis « Je la connais, je la connais. » Ah non, c'est horrible. Mais je sais pas d'où. Et je sais pas pourquoi, une fois que la personne elle est en face de moi, je regarde un des mecs de sécu qui était dans le crash barrière en train de faire « comme ça. Genre, il écoute bien ce qu'on lui dit dans l'oreillette. Et en fait, dans l'oreillette, c'était mon père qui était à l'époque tout le temps avec moi et qui, lui, avait reconnu que la personne montait sur scène et qui était en train de dire dans le talkie de tous les mecs de sécu « Attention, attention, cette personne, elle est dangereuse. » Sauf que là, je me retrouve tellement flippant face à cette personne devant 5 personnes. Il faut que je fasse le show. Premièrement, je lui dis « Bah, donne-moi le sifflet, s'il te plaît. » Et puis, là, je me dis, mais cette personne, c'est vraiment celle que je crois ou pas? Ok, on met une petite pause. Je suis partagé, hein, je vous dis pas, et j'ai quand même un peu envie de vous partager ce que j'imagine. En tout cas, ça correspondrait peut-être à une chanteuse. Même le style de musique, les paroles qu'elle a dit, j'ai réfléchi à un truc un peu comme ça. Pour moi, je pense à quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un en tête. T'as quelqu'un, Jordan, ou pas? Je pense, mais je pense que c'est... Je suis loin. Moi, je suis parti sur le fait que c'est une chanteuse. Ouais. Oui. Peut-être que c'est pas une chanteuse, hein. En fait, j'ai envie de croire que, tu vois, la casquette, c'est pour cacher des cheveux aussi. Mais c'est pour ça. Donc, ça correspond un peu, mais peut-être je me trompe complet, je sais pas. Vous avez en fait, une estimation d'âge. C'est vraiment ça. Ça, j'arrive pas. Ça, j'arrive ça, pas je comprends pas le... Nickel. Est-ce que c'est Gibraltar? Non, c'est pas possible. Mais wesh. Attendez. On va au bout de l'anecdote, on fait le reveal de la conversation. Mec, ce serait fou. Ok, est-ce qu'on peut utiliser le troisième indice et faire le reveal de la voix? Mais moi aussi, en fait, je suis en mode non. C'est bon, bah oui, c'est bon. C'est bon, celui-là, tu penses? Ok. Parce que Obispo. Ah, gars! Tu t'es. Ouais, t'es pas dans le même mood. Ok, donc là, normalement, si vous parlez, vous avez votre vraie voix. On n'est jamais allé jusqu'au troisième indice dans le premier épisode. Ah, c'est une première.
voulez que je continue mon histoire ? Oh, si, oui, c'est bon, c'est si, Est-ce que tu penses qu'on a trouvé ? Je pense. Ouais. Oh, oui. C'est bon. Ok, je viens à la fin de l'anecdote quand même, mais par contre, je vais c'est le lien avec ça. Oui, c'est moi. Mais oui, mais en fait, quand j'ai dit la phrase. Oui, vous avez dit. J'ai dit c'est le week-end, nanana. Toi, t'as dit c'est le week-end, c'est le week-end. Bref, ok, finis ton anecdote, s'il vous plaît. Et donc, je me retrouve sur scène devant lui. C'est bon. Je lui demande son prénom. Il me donne son prénom et je lui dis, mais ouais, en fait, c'est lui, exactement. Oh, et là, la grosse panique. Mais comme je suis devant 5000 personnes et qu'il faut que je fasse le show, je peux pas partir en courant, je peux pas lui dire dégage. Donc, je lui dis, ok, bah, c'est quoi ta chanson préférée ? Et là, il me dit, SOS. La chanson... sur laquelle il pensait que j'avais écrite pour lui. Et je lui dis, bah ok, bah si c'est ta chanson préférée, tu la connais par cœur, tu vas nous chanter quelques phrases. Et là, il me prend le micro et il me dit, si je suis là ce soir, c'est pour te dire que je t'aime, qu'on est fait l'un pour l'autre. Et grosse déclaration, donc devant 5000 personnes, en furie, parce qu'évidemment, ils voient pas ça tous les soirs. Les gens sont dingues. Le bisou, le bisou, je suis malade. Donc voilà, en fait, après, j'ai dit, ok, bah merci, c'est sympa, vous pouvez l'applaudir, c'est pas facile ce qu'il a fait. Tu vas prendre la sortie pour que je puisse continuer le show et voilà. Les gars, imaginez la clim si c'est pas du tout. Mais là, je suis sûr à 99,9%. Je suis quasi sûr aussi. Oui, pour moi aussi, ouais. Ok, à 3, on dit le prénom en même temps. Ouais. Vous mettez le doute. J'ai envie de dire à faux nom, mais vous allez croire que. Attends, c'est en combien de syllabes vous ? Moi, c'est en 2 syllabes. Moi aussi. Oui, pareil. Ça commence par un L. L. Ok. Ouais. Laurie. Laurie ? Laurie ! Laurie ? C'est sûr. Oh, ah, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Waouh. Wow, mais c'est fou. Quelle anecdote. Salut, merci beaucoup. C'est incroyable. Oh, le enchanté. Ah, alors là, mais le mois de l'époque, il s'est tué sur les CD, il serait comme un fou. Au début, quand vous avez dit une vieille chanteuse, j'ai fait Non, mais c'est parce qu'on savait pas, on avait la silhouette et tout. Sinon, on aurait dit... J'ai dit années 80 au départ, moi. C'est vrai que t'es parti sur les années 80. Bah oui, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un, genre, tu vois... Mais je pense que c'est le côté lettre. On allait automatiquement loin. Alors qu'en fait... On en reçoit d'ailleurs. Si tu veux, Laurie, tu peux. C'est incroyable de dire ça. Tu bah peux oui, rejoindre grave. Sur le côté et venir avec nous. Hello. Salut. Comment ça va? C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Je suis intimidé. Enchanté. Salut. Enchanté. Ouais, c'est enchanté. Est-ce que t'as vu la série sur Netflix qui est sortie là récemment? Mon petit reine. Non, j'ai pas vu. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'est persuadé d'être en couple avec la personne. Toi, heureusement, ça s'est arrêté. Mais genre, des histoires comme ça, j'en ai plein d'autres. Ah, mais oui. Ah, ouais, j'imagine. Tu m'étonnes. Ouais, c'est incroyable. En fait, c'était tellement évident en fait maintenant le truc du week-end. Oui, c'est évident. Parce que j'ai dit c'est le week-end. Mais c'est vous. C'est vous. Ouais, t'as dit c'est le week-end. Non. Et toi, t'as dit c'est le week-end. Et je me suis dit, attends, en fait, t'as ça colle. C'est le week-end. Et c'est instantanément ce qui a pop, c'est la chanson. C'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne. C'est trop bien. Je suis très contente. C'est trop bien, je vais raconter à tout le monde. Pareil. pareil, c'est incroyable. Mais moi, pour l'anecdote, du coup, en story Instagram, une fois j'étais avec, j'étais avec Thomas, Actuan et tout, on était posés au Lotz, et je sais plus pourquoi, arrive sur le sujet, tu reçois des DM sur Insta et tout. Je dis bah ouais. Du coup, je vais sur Instagram dans les demandes. Il était 1h du matin, je clique sur le premier message que je vois et je tombe sur une conversation d'une femme beaucoup plus âgée que moi qui m'envoie des messages depuis 2018 en boucle, des vidéos, des photos, des messages, comme si on était en couple. Ouais. Et en fonction de ce que je faisais la semaine, ce que je sortais comme vidéo ou autre, elle commentait tout ce que je faisais. Quand je parlais par exemple, de ma copine, elle était méga énervée et elle pouvait passer du tout au tout. Par exemple, il y avait des messages où elle m'insultait, elle me disait des trucs horribles du genre, mais vraiment, tu vas bouffer ma merde. Vraiment des mots comme ça, tu vas bouffer ma merde et tout. Et le message dans tout, c'était coucou chérie. Bah, c'est un petit, en vrai, c'est un peu un petit délire qui peut se tenter. Que tu kiffes. Moi, j'ai pas dit moi. Ok. Après, je sais pas, on peut peut-être parler de manière générale. Voilà, ah oui, ok, d'accord. Ça. Parler de manière générale. Tu disais ça s'est atténué. Ouais. Mais ça veut dire que du coup, ça s'est pas arrêté totalement. Non, ici, là, maintenant, aujourd'hui, je reçois plus du tout de lettres de lui. Ce truc-là de courrier de femme. Ah oui, c'était méga répandu. C'était hyper répandu. Et donc, toi, dans ta position, ça devait être impossible à gérer. Et dans des cas comme ça, t'en as vu un, mais il y en a peut-être eu même. Surtout que je trouve que t'es devenu l'icône de toute la génération des années 2000, un petit peu. Et je pense que c'était l'arrivée d'Internet, de plein de choses. C'était une nouvelle génération aussi. Ah. Donc, ça a dû être encore plus violent pour toi à l'époque. T'étais bien entouré à ce moment-là J'avais toute une équipe avec moi. Ouais, ok. Et ton père, tu disais en plus. Mon père était là. Ça, c'est cool.
Je voulais que ce soit lui qui me manage, enfin, qu'il était là tout le temps. Ouais, c'est trop bien, pour moi. Mais qu'il y avait des prises de décision, parce que j'avais entièrement confiance en lui. Quand on était dans des endroits où il y avait beaucoup de fous, enfin, beaucoup de monde, tout ça, en un regard, il savait, enfin, on arrivait à se comprendre, quoi. Donc j'avais vraiment besoin d'une personne de confiance. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui t'a aidé à gérer le côté où d'un coup, t'es devenu genre une star d'un coup? Ouais, les parents, la famille, les amis. Tu sais ce qui change? Je pense que vous avez dû vous apercevoir. Au départ, c'est pas l'artiste, c'est le regard des gens. Oui, je suis d'accord. C'est genre, une fois que les gens te regardent différemment, ta boulangère, elle va plus te parler de la même façon parce qu'elle t'a vu à la télé. Je suis pareil. Et donc, c'est comme ça qu'on peut commencer à changer, à prendre la grosse tête, à vriller et tout ça. Ah, Jordan, il parle super mal au. Quand tu rentres chez toi, moi, je faisais des zéniths, des Bercy, mais je rentrais à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Ah, je rentrais chez moi. Il fallait que je débarrasse la table, une vie normale. Mais surtout, tu as dit un truc aussi, c'est que nous, c'est pas un truc qu'on vit forcément, mais les paparazzi, c'est encore un autre délire. C'est encore un autre step. C'est un autre step. C'est vrai que nous, là-dessus, on n'a pas trop ce truc. Bah les sniper ta vie intime. Ouais. Là, c'est vraiment des gens qui vont venir chercher l'info de ta vie intime. Mais ça doit être terrible. C'est aussi ce que je voulais dire dans le côté magazine, c'est que c'est les magazines à scoop, c'est vraiment elles sortent avec cette personne, on les a vus là, ils sont sortis d'ici, des spéculations. Du coup, tu sais que t'es épié. Ouais. Et ça veut dire que ça devait aussi embêter tes parents. Si tu vivais chez eux, ils devaient potentiellement des fois être confrontés à des paparazzis peut-être devant chez eux, ou ce genre de choses aussi. Devant chez nous, non, ça allait. C'était juste souvent en vacances. Ils veulent te choper en maillot de bain, avec ton nouveau petit copain de l'époque. Ils voulaient du croustillant. Sortir de chez moi, on s'en fout, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est mais c'est c'était... ils voulaient des... J'ai une anecdote. Vas-y, raconte. Ça se voit que c'est honteux de fou, là, en tout cas. Vu qu'on est dans le thème, je me dis, c'est l'instant confession, mais c'est difficile... Enfin, pas difficile à assumer, mais quand j'étais petit, j'étais amoureux de toi, quoi. Ah okay. J'ai une double anecdote un peu drôle. Je l'ai tweeté une fois. J'ai dit quand j'étais petit, j'étais amoureux de l'horrible, je sais plus. Et tu m'as répondu. C'est pas une vanne. Attends, faut que je retrouve le tweet. Oh, c'était en 2018. C'est pas si. 2018, c'est un peu vieux. J'ai dit, attends, il est temps de passer aux aveux. 10 ans après, j'étais fan et amoureux de Laurie en primaire. Après, j'ai mis en dessous, j'étais en relation libre avec Avril Lavigne aussi, mais Dietri a un lolo. Elle est assez jalouse sur les bords, surtout le mercredi matin. Et réponse. Ah ouais. Ouais. Attends, c'était quoi la réponse? C'est bien ton compte Twitter. Est-ce que c'est toi? Attends. Oui, c'est moi. C'était drôle. Bon, voilà, c'était le petit instant confession, mais rien de malsain. C'était juste quand j'étais petit, quoi. Ouais. Je me disais, j'aime trop Laurie. Voilà. Moi, j'ai une comment ça va aujourd'hui, Laurie? Super. Vrai. Heureuse? Ouais, heureuse. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Trop bien. Son surnom, c'est Tornado, tu vois. Un peu comme sa mère. Mais trop bien. Il y a de la musique. Là, j'ai sorti des anciens titres réarrangés avec la nouvelle génération, ce qui était fan aussi à l'époque. Bien, trop bien. Donc, t'as sorti, là, ça y est? Ouais. Et alors, il y a le volume 1 qui est sorti en janvier. Et il y a le volume 2 qui sort là, maintenant. Oh, mais trop bien, attends, c'est incroyable. Vois, c'est trop cool. Ouais, c'est trop avec bien. Des près de moi, des toutes seules, des je serai ta meilleure amie, mais vraiment réarrangé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont kiffer. Ah ouais, c'est incroyable, c'est trop bien. Et puis j'ai sorti un livre aussi qui est plus médical, problème de santé, parce que je suis atteinte d'endométriose, d'adénomyose et tout ça. Donc si je peux aider quelques femmes avec mon témoignage. Incroyable. Donc, voilà. Wow. C'est, mais tout va bien, ouais. Tout va très très bien. Mieux. Bah, en fait, j'ai trop aussi de questions. Je voudrais partir en test. Tranquille, Bah, merci beaucoup. Ouais, merci avec plaisir. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur. Bah, merci beaucoup. On peut faire une petite photo? Attends, moi, je veux bien aussi, moi. C'est trop bien. Cette scène est folle. Attends, mais attends, vous avez déjà demandé une photo à quelqu'un? Non, c'est la première fois, je crois. C'est la première fois que je demande une photo. Oh, incroyable. J'ai le seum, ma photo avec Laurie, elle est dégueulasse. C'est vraiment moche. Et ben, les gars, prochaine personne. Qui est déjà dans la boîte. J'espère que c'est Rihanna et si c'est pas elle, bon, dommage. Bon, c'est mais pas grave, ouais. Pas grave si c'est pas Rihanna, mais ouais, ça aurait été bien. Ça peut être quelqu'un d'autre. Allô, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je viens vous raconter une petite anecdote plutôt sympathique qui m'est arrivée il y a quelques années déjà. J'ai l'impression de connaître la voix. Comment vous vous appelez Je tente des pièges, peut-être qu'elle dit. C'est secret, évidemment. Ah, ok. Bon, je tente un autre truc un peu plus subtil. Vas-y, vas-y. Vous êtes qui? Parce que c'est écrit de. Devant. C'est à vous de le deviner. Ok, ouais. Ok. Je vois que ça se concentre quand même on pour a pas à quelqu'un. Oui, on a affaire à quelqu'un qui peut se faire avoir. Ok. Oui, peut-être. Ok, allez-y, madame, alors. L'histoire se passe à Los Angeles.
Non, stylé. Oh, ok. Petit après-midi plutôt calme, le 4 juillet hein, à Los Angeles. À ce moment-là, j'étais en vacances avec, avec une amie qui passait un peu de temps à l'époque, avec un mec un peu, voilà, un peu connu, qui connaissait des gars un petit peu connus, quoi. Hein, quelqu'un de la jet set, comme on dit. Et lui demande si on a prévu quelque chose pour le 4 juillet. On n'a rien prévu et il nous propose un petit barbecue. Un petit barbecue entre potes. On se dit, bah pourquoi pas, donc on y va, hein, claquettes, chaussettes, petit short, voilà un petit style pas piqué des hannetons évidemment. C'est bon, c'est clair. Et ce qui est étrange, c'est qu'on monte et on monte dans les vallées, et puis ça y est, on remonte au niveau de Malibu, et là on voit des villas, mon gars, mais laisse tomber, jusqu'à arriver à une baraque avec des gardes armés, et là on se dit, mais putain, mais où est-ce qu'on est, quoi. Et donc on rentre, et là en effet, petit attablé avec quelques personnes à table, et on rentre, et là, la première personne que je vois, dans le plus grand des calmes, Leonardo DiCaprio, qui du coup me claque la bise, hein, tout bonnement. À côté de lui, Camila Moroney, qui est quand même accessoirement sa petite amie de l'époque, qui est aussi la fille de la femme d'Al Pacino. Ok, alors, je vais mettre une pause là, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Allez, ouais, et là, attends, faut qu'on débriefe. Mais mec, pour moi, c'est juste Théo Juice qui nous fait une blague. Ah ouais? Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Ah ouais, Théo Juice? Pour moi, c'est Théo Juice qui fait une blague. Théo Juice, pourquoi c'est précis sur Théo Juice? Parce que, tu vois, ce phrasé là, il peut vraiment le faire. Bah en fait, le tapis qui est derrière ton. Imaginez, c'est juste une personne qui a vraiment cette expression là. C'est possible. Par contre, c'est dur là. Là, vous pensez que c'est un gars ou une fille déjà? Pour moi, c'est un gars. Ouais. Ok. Pour moi, c'est un gars. Ok. Est-ce qu'on utilise le premier indice? Oui. Vas-y, ok, on fait. Vas-y, je vais. Let's go. Une tondeuse? C'est une tondeuse avec une mèche de cheveux. Avec une mèche Est-ce que quelqu'un s'est déjà rasé la tête? Un truc comme ça? Parce que typiquement, moi, j'ai déjà fait en live avec des gens, mais. J'ai fait, mais tout seul. C'était pendant le confinement. Ok. J'ai pas fait encore, mais c'est un de mes prochains bangers là, qui va sortir. Tu rases la tête pendant 24 heures? Mais du coup, tu sais que ça reste plus que ça. Bah, je me rase la tête en utilisant 24 heures. Et il y a des happenings et tout? Non. C'est lourd, on sera là pour regarder en tout cas. Les gars, tondeuse, rasoir. Mèche de cheveux. Quelqu'un qui a ouvert un salon de coiffure. Quelqu'un qui. C'est Jean-Louis David derrière le truc. Attends. T'as une piste? Non, je suis en train de pisser dessus, je me dis c'est pas normal. Oui, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas ouf. Moi, j'ai rien du tout, j'ai rien du tout. Ça me terrifie parce que vous avez l'air de. Lui, il a l'air d'avoir trouvé ou de capter un truc. Non. Est-ce que il est possible d'avoir une petite phrase là, juste une phrase random? Évidemment. C'est pas une phrase, hein, mais bon, ça c'est un adverbe. Hein, mais bon, bref. Bah sinon, on peut reprendre l'anecdote. Oui. Ok, bah vous pouvez continuer. Là, il y aura multiples phrases si je continue mon anecdote, évidemment. Du coup, je disais quoi? Ah oui. Cette table avec DiCaprio et sa belle famille. Attention, quand il n'y en a plus, il y en a encore. À sa gauche, qui voilà? Le roi et la reine de Jordanie, évidemment, qui me claque la bise aussi, pourquoi pas. Ensuite, en face, on a Sean Penn et son fils. Et là, je passe une des plus belles après-midi de ma vie à griller de la saucisse avec Leonardo DiCaprio, le roi et la reine de Jordanie, Sean Penn, 2-3 petits mannequins Victoria's Secret. Non mais, mec. Attends, ça veut dire que là je peux faire un guess moi? Non, attends qu'on ait fini. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment très drôle. Moi, j'ai quelqu'un, je pense. Hein. Qui fait un peu exprès de nous mettre des pistes. Et tu veux que je te dise, je pense que c'est une femme. Ah ouais? Mec. Non, les gars, vous avez tous les deux là? Non, bah, je suis pas sûr. En fait, le truc, c'est que j'avais une idée, mais je me dis que les rêves sont très précises. Alors, c'est soit quelqu'un qui a taffé son truc, mais sortir Sean Penn et tout, c'est pas ce que tu sors en premier. Donc, tu penses que c'est une histoire. Ça, c'est une anecdote. Normalement, c'est des anecdotes vraies. Pour moi, l'anecdote est 100% véridique. Non, mais regarde, mec, c'est quelqu'un qui joue avec nous. Véridique. L'anecdote est peut-être vraie. Je pense. L'anecdote est peut-être vraie. Mais le phrasé et tout, comment c'est délivré, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui a de l'humour. Ah, bah oui, bah je pense, ouais. Mec, pour moi, je vois que Théo Juice là. Ok, on fait le reveal silhouette ou pas? Reveal silhouette, il va être décisif si c'est. Moi, j'ai déjà mon guess maintenant. Ok, c'est parti, on peut dévoiler. Je l'ai. Ah ouais? Oui, c'est bon, j'ai. Oui, je l'ai, putain, mais 100%. Okay, si, ok, bah je l'ai. 100%. Okay, j'ai aucun doute. T'as déjà fait une vidéo avec? Non, je peux rien dire, moi. Ouais, c'est vrai qu'on est pas ensemble. Ok, on raconte la suite de l'anecdote. Les Américains, ils adorent faire des petits barbecues sur la plage. Évidemment. Ok, je sais qui c'est. Baraque avait une plage privée, n'est-ce pas? Et donc là, on descend vers la plage. Et donc, notre petite clique nous dit on a deux potes qui vont se ramener pour jouer un petit volleyball avec nous. Et là, nous avons dans le plus grand des calmes, encore une fois, Courtney Cox et Matthew McConaughey qui se ramènent torse nu pour taper le ballon, quoi.
plus belle journée de ma life. Ok, je pense que j'ai. Bah j'ai, moi, depuis un Maxime, mois. Moi, je suis pas certain, mais je vais dire un truc. Moi aussi, je vais dire un truc. J'hésitais entre deux personnes, et je pense là, avec le fait de voir la manière de bouger la tête et tout, ça m'a évoqué un truc. Moi aussi, mais je suis pas... En fait, les cheveux... Moi, j'ai tout. Je suis pas sûr de la coupe, en fait. On peut parler de l'indice? Ouais. C'est une personne qui s'est rasé la tête à un moment? Oui. Ok, ok, ok. Ah ouais, je pense, moi. Ah non, alors j'ai pas. Je pense. Ah moi, ouais, si. Bah c'est... Bah, je ok, pense. Bah je moi, vous dis mon truc parce que je pense que j'ai faux. C'est ce que j'ai connecté comme info. Moi, je pensais à Fanny, mais je pense que c'est pas ça du tout. Ok, vas-y. Moi, je pense à... Gaël Garcia Diaz. Moi, je pense à Gaël Garcia aussi. Mais oui, mais non, mais bien sûr, la silhouette, mais oui. Ok, on peut révéler la silhouette. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais non, mais mec, la silhouette. Ouais. Let's go. Vous êtes fort, hein. Ah, c'est dur, hein. Mais c'est oui, dur. La silhouette, j'aurais très vite. En fait, c'est évident la silhouette quand vous avez dit Gaël Garcia. J'ai dit, ouais, mais bah, sûr. Au début, je pensais à Bianca Costa. La silhouette, instant, ça m'a confirmé 100%. Je peux venir vous voir. Ouais, vas-y, viens avec nous, ce sera plus cool. Non, non, par contre, non. J'étais tellement concentré sur trouver la personne parce que ça me tiltait. Mais oui, attends. Que j'ai un peu perdu la note, mais je dormais juste pour mes cocks. Ce qui m'a inspiré, ce qui m'a mis en erreur, c'est que comme tu le faisais en mode blague. Comme tu le faisais en mode blague, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a inventé. C'est trop bien ce saut là. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a inventé, tu vois. Non, attends, c'est que du coup, j'étais tellement concentré pour savoir qui était derrière l'anecdote que j'ai raté une phase. Comment vous êtes passé de on part en vacances à Los Angeles à tu te retrouves dans la villa Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, il nous a vraiment dit bah, venez, j'ai des potes qui font une petite soirée. Mais venez en mode chill, hein, vraiment chillax. Et là, on se ramène et il y a juste tout le plus beau monde de LA, quoi. Et il était sympa, DiCaprio. Il était adorable. Franchement, il était trop cool. Vraiment, ça, c'est très drôle aussi. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment fou. En fait, ce qui me choque, c'est ce côté, tu pars en vacances, ok, normal, petite soirée, et j'imagine le choc que tu dois te manger quand tu ouvres la porte. Je sais même pas si tu crois au début de cette soirée. Ah non, mais attends, il faut quand même t'imaginer que moi, DiCaprio, j'étais longuement très amoureuse de lui. J'avais tous les posters possibles et imaginables. Ah oui, en plus, ouais, j'embrassais tellement son poster que la bouche, elle avait disparu sur le papier. Et donc, le voilà en face de moi. Le mec, il est en train de griller des brochettes. Et j'ai dû aller reprendre mes esprits aux toilettes deux secondes en mode c'est pas possible quoi, c'est un sketch. C'est lunaire la situation. Ouais, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'ils prennent de la coke? Zéro C sur la table. Et rien voilà. Tu que de la violence, ouais. J'ai plein de questions et en même temps je sais pas... Non mais en fait tu m'as foutu dans la merde parce que quand t'as fait le petit accent et tout, je me suis dit si c'est vraiment quelqu'un qui parle comme ça et que mais moi j'ai un je accent suis là belge en train de rigoler... À mort, mais c'est le mais pas. Mais c'est pour ça que j'ai fait un petit peu l'accent, tu vois, chômé quoi. Ah ouais mais tu faisais, tu tournais super bien, aucun bégaiement. Mais moi je me disais attends c'est pas possible, c'est trop bien. Si je me moque de quelqu'un qui parle un peu comme ça et que c'est vraiment, elle parle vraiment comme ça, on aurait été trop mal à l'aise, petite sauce, c'est véridique. Il fallait que je brouille un minimum l'épice quand même. Et attends, et du coup, fin de journée. Attends, la fin de journée, je vous ai pas raconté du coup. Parce que la vraie fin d'anecdote, elle est complètement lunaire. C'est-à-dire que fin de journée, en fait, on était chez un des plus gros investisseurs de Twitter de l'époque et qui du coup a une des plus grosses baraques à Malibu. Forcément, c'est le 4 juillet et le 4 juillet, ben, il y a le feu d'artifice. Le gars a un yacht privé évidemment de je ne sais combien de dizaines de mètres et en fait, il avait affrété son yacht devant sa maison pour faire péter le feu d'artifice. Depuis le yacht, devant la baraque, on a fini les dernières saucisses et le petit dessert devant ce feu d'artifice qui a duré sans déconner, je crois, plus d'une heure. C'était interminable. Et puis on est parti. Donc là, t'as Sean Penn, DiCaprio, le roi de Jordanie qui tape le hug. It was amazing meeting you. See you next time. Take care. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et vous n'êtes jamais vu next time d'ailleurs. Ah ouais, ouais, c'est genre, c'est comme si on se connaissait depuis 15 ans. Quoi. Oui, voilà. En fait, eux se disent, si elle est là, c'est que c'est quelqu'un. Okay. Parce qu'à aucun moment, ils se doutent que je me suis greffée parce que je connais un tel qui les connaît et qu'on se dit obligatoirement, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de sa life, tu vois. Est-ce que tu t'es inventé une life quand ils t'ont dit, ouais, non, mais en fait, non, parce qu'à l'époque, je jouais encore au poker et j'avais beaucoup joué contre Matt Damon et d'autres connaissances à DiCaprio. Ah, du coup, t'étais en mode. Et en fait, on s'est balancé des anecdotes. Soir, quand t'as dû rentrer dans ton lit, tu te fais comme ça. Ouais, c'est ça, t'as dû faire un bilan de ta journée. T'as pris les photos des clips. Alors, le truc, c'est qu'il y a des photos paparazzi qui ont été prises ce jour-là. Et donc, on reconnaît en effet l'endroit. Parce que nous, on n'a pas osé sortir nos téléphones. On s'est dit, putain, si là, je sors mon téléphone. Il n'y avait pas un téléphone sur la table toute la journée. Et donc, tu sais qu'ils font gaffe à tout ça. Et je me suis dit, si je veux avoir l'air d'une meuf qui. Pour elle, c'est normal. Ouais. À aucun moment, je peux demander un selfie, tu vois, c'est pas possible. Oui, non, ou alors, je me fais têche comme une merde dans la soirée, c'est tu possible, vois. Ouais. J'avoue que là, le selfie dans la soirée, je sais pas comment. À mon avis, l'ambiance, elle turn up. Can take a picture together. Je pense que ça, tout de suite, tout le monde te regarde. Ça refroidit tout d'un coup. C'était extraordinaire. Ils étaient assez avenants avec toi, genre ils pouvaient venir te discuter. Mais ouais, genre il me posait plein de questions. Il me dit ah bon, t'as déjà joué contre lui? Ouais, il est nul à chier, hein, il est nul. Hein. Je dis mais ouais, il est pas très bon. Il me dit ouais, on fait plein d'autres games ensemble. J'ai déjà pris plein de thunes et tout. Enfin, il me sortait vraiment des dingueries quoi. C'est cool qu'ils soient assez avenants, qu'ils pas forcément trop fermé ou autre, même s'ils connaissent pas les gens. Mais vraiment, je pense qu'ils pensent qu'on était des gens importants, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout. Bravo. En tout cas, bah, merci beaucoup. Encore une bonne continuation sur ce merci concept merci du feu de Dieu. À toi aussi. Puis merci de venir, ça fait trop plaisir. Merci, à plus. Ciao.
Mais c'est marrant parce que, tu sais, elle disait, les gens comme ça dans les soirées, ils balançaient des dingueries et tout. Ça me fait penser à. On avait fait une soirée ensemble. Et tu disais justement, Zen avec Grimm, c'est plus possible. C'est, non, mais c'est peut-être qu'on en parlera après le. Ah putain, la soirée où je sais plus, mais tu t'enquillais. T'étais en mode ce soir, je me mets rapta. Ce soir, je me défonce la gueule. Ouais. Et c'était à base de whisky sec ou un truc comme ça. Et on disait tous, mais c'est marrant. Whisky, c'était une dinguerie, ouais. T'es en train de te foutre à poil et tout. Non, ah ouais. Mais du coup, t'as pas cut avec Grimm. Mais je crois que tu m'avais dit, t'attends la fin de l'émission et après, vous avez entendu les gars en régie, il a dit cut. Et c'est fou comme ça se voit pas à l'image. Et genre sur l'émission, on dirait que vous êtes presque deux potes, tu vois. Non mais. Alors que je le déteste, c'est viscéral, t'avais utilisé les mots. Bonjour à la personne présente dans cette boîte. Bonjour, vous m'entendez? Toi, tu nous entends bien? Ouais, je vous entends super bien. Oh, t'as une voix super sexy, dis donc. Non, attends, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Bah non, mais c'est vrai, c'est une voix sexy, quoi. Je peux dire un élément d'enquête? Ouais. Il y a 7 semi-tons en dessous. On peut me confirmer peut-être en régie, mais il y a 7 semi-tons. Est-ce que c'est au pif ou vraiment? C'est un truc de YouTube, ça. Tu peux pas. C'est YouTube qui parle, pas avec c'est devenu un métier. Il revient un peu en moi, j'ai une petite partie que j'ai pas kill. J'aime bien, tu peux lancer des remixes vite fait comme ça, s'il te plaît, genre de temps en temps. Faut juste que je demande à la personne qui est là de me faire une voix, ce sera avant un drop électro. Ok. Juste un mot. Hey, elle a ton pseudo, hein? Oui, c'est vrai. Bah, okay. Je me suis un peu renseigné avant de venir, quoi. Elle connaissait pas de base, donc déjà un petit indice. Ok, bah c'est quand vous voulez. Bon bah déjà, bonjour, je suis très content d'être là. Je vais vous raconter une histoire qui date d'il y a longtemps. C'est une voix grave de fou. Ouais. C'était à l'époque où j'étais au lycée. Alors, pour vous dire que c'était un petit moment maintenant, on avait une soirée avec des amis et on était dans la maison d'un d'eux. La personne nous dit, attention, il faut absolument pas descendre au sous-sol. Donc nous, forcément, ça nous donne envie d'aller au sous-sol, vous voyez. Mais on respecte quand même et on se dit, bon, on va pas y aller. Mais arrivé à un certain moment dans la soirée, on a besoin de matelas en plus, il faut que... Pause. Je suis désolé, mais on dirait le nounours dans Bonne Nuit les Petits. La même voix. Oui, c'est vrai, c'est la même voix. Attendez, vous pensez que c'est une voix d'homme pitché ou de femme? Homme pour moi. Ah, je pense homme, là, c'est méga grave, non? Ah, mais je reste sur homme, je pense. Ah ouais? Je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un pour moi. Du coup, Eddy, le lycée, c'est il y a longtemps, machin. Il doit avoir peut-être aux alentours des 40 ans. Au moins, ou plus. Bah, la voix, je suis d'accord, ça fait vraiment. Puis ouais. Même le lycée, c'était il y a longtemps. Ouais, il a insisté dessus. Pas de premier indice, on laisse un petit peu voir. Ouais, okay. Encore un petit peu l'anecdote. Qu'est-ce qui se passe dans cette cave là? Ouais, c'est vrai. Pourquoi on peut pas y aller? On n'a pas le droit d'y aller, mais on a besoin de matelas. Et on se dit, bah, peut-être qu'il y en a à la cave, c'est pas non plus la fin du monde, en plus c'est un peu excitant, on va aller voir. Il se trouve qu'on descend, il n'y a pas de lumière. L'ambiance est un peu bizarre parce qu'il fait un peu froid, mais on entend quand même des sortes de petits craquements, des sortes de petits frottements. Et d'un coup, on se dit, bon, c'est bizarre, on va peut-être partir. Et au moment où je monte les escaliers, je sens une main, vraiment, qui m'attrape la cheville et qui me tire. Non mais mec, sortez-moi de là. Ce qui me fait tomber dans les escaliers. Ok, pause. Pause, c'est la soirée de l'année, là. C'est pas la réflexion que t'as normalement. Si c'est un bras qui tire et qui dit, hé, t'as oublié ton verre de pastis. En fait, il y a trop de questions là. Je me dis, ouais. Le mec il séquestre un gars en gros. Pour l'instant, c'est ça. Ouais. Ou alors pire, c'est une main qui attrape, mais il n'y a pas tout le corps qui va avec. Et là, trop bizarre en vrai. Ouais, okay, c'est vraiment un scénario de film d'horreur quoi. Ça n'existe pas. Ok. Comme si, pareil, la magie n'existait pas et le Père Noël n'existait pas. D'accord. On en parle après. Allons-y. On en parle après. Allons là-dedans. Dans ce compte-là, mes dents, elles disparaissent tout seules quand elles tombent. Oui, c'est pas là. C'est la petite souris, c'est ça? Ouais. La petite souris, ok. Merci. Et les cloches à Pâques? Oui, les cloches à Pâques. Faut vraiment que tu. Les chocolats, ils arrivent. Les chocolatiers, ils trouvent le cacao, ils font du chocolat. On va juste avoir une petite discussion après, mais. On va appeler tes parents. On appelle tes parents en vidéo. On aura une petite discussion sans problème, vas-y. Est-ce qu'on utilise le premier indice? J'ai envie de voir. Moi aussi, j'ai envie aussi. Tu veux y aller? Donc là, pour l'instant, c'est pas la suite de la cave. On va non, voir, j'y on va vais voir. Pas moi, j'y vais pas moi. Ok, j'y vais. Y aller, ouais. Ah, il y a le réalisateur qui a oublié ses pastilles. Oui, alors c'est pas des pastilles, c'est sous format... Enfin, c'est de la lessive. Mec, c'est monsieur propre. Putain, j'ai rien du tout avec la lessive, là. Attends, un truc sur la propreté. Une émission sur la propreté. C'est du propre, mais du coup... Ah ouais, moi j'ai rien, les gars, là. Je suis foutu, moi, si c'est ça. Bon, on peut peut-être... Vas-y, ouais, on peut reprendre l'anecdote. C'est parti. Du coup, la main m'attrape. Je tombe dans les escaliers. Suite à quoi, je me relève et avec nos amis, on décide de s'enfuir en courant, évidemment. Et comme c'était une maison quand même un peu paumée dans le fin fond du 91, on pouvait pas trop partir non plus. Du coup, en fait, on s'est enfermé dans une pièce à l'étage toute la nuit, en attendant le matin pour qu'on puisse partir. Ce qui est fou, en fait, dans cette histoire, c'est que 2-3 jours plus tard, dans la presse locale, on apprend qu'un enfant a été retrouvé mort dans un ravin à 2 km de cette maison. Et c'est surtout
un enfant qui avait disparu depuis apparemment des semaines et des semaines. Mais l'anecdote, c'est un élément d'enquête, là. Je pense que c'est lié. Je l'ai jamais vraiment su, mais voilà, c'est mon anecdote. Attends, wow. Ah, mais c'est fou. Ça veut dire que c'était l'enfant qui était là-dedans. Donc, probablement, c'était l'enfant qui t'a attrapé. Attends, là, j'ai trop de questions. Attends, le mec chez qui vous faisiez la soirée, c'était un ami? Un ancien ami, oui. Voilà. C'était chez ses parents. C'est ça. What the fuck? Dans le 91, région parisienne. Là où tu as passé toute ta vie et tu as grandi. Pas forcément. Ah, c'est dur, là. Le linge, machine à laver, les habits, le propre, les habits... Pour l'instant, ça ne m'évoque rien, moi. C'est, en fait, la voix, je discerne rien. Moi non plus, j'ai rien du tout. On peut reveal la silhouette? Bah non, je suis bête, ça peut pas être ça. Non, c'est pas ça. Ok. Il a l'air bien sapé de ouf, mec, non? Oui. Ouais. Mais c'est pour ça, vêtements, hein, il y a un petit truc. Non, moi, j'étais parti sur mode vêtements, ok, Christina Cordula, je suis en sérieux. Ah. Pour moi, c'est un homme. J'ai l'impression. Putain, c'est dur, là. Mais c'est pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est un homme. Avec un trench, du coup, inspecteur gadget, peut-être. Le mec qui vous avait dit de pas descendre dans la cave, vous lui avez pas reparlé derrière? Non, on a préféré totalement couper les ponts avec lui et juste donner ce qu'on avait à la police de notre ville. Parce qu'en même temps, vous vous disiez, ouais, c'est bizarre, donc on va peut-être... C'est quand même bizarre, oui. Ah ouais. Les gars, j'ai aucune idée, et ça, c'est ma hantise dans le concept. En fait, ma hantise, c'est que vous l'ayez tous les deux, que moi, je l'ai pas. Ouais. Que la personne vienne ou reveal, et je sais pas qui c'est. Moi, j'ai trop de questions sur l'anecdote, genre, si la cave était ouverte, pourquoi la personne qui était dedans est pas partie, tu vois? Peut-être qu'elle avait peur de... Elle était attachée. Ouais. Terrifiant, mais par contre, l'anecdote, elle est folle. Est-ce qu'on peut voir de profil ou pas du tout? Ah ouais, j'avoue, de profil, ça peut être cool. C'est possible de vous tourner, de vous mettre de profil? Il y a des lunettes. Des lunettes et un bonnet. Ok, j'ai. Non, quoi? En tout cas, la silhouette me parle. On dirait un Colors. Ouais. Ouais, de ouf. Attends, mais les lunettes plus le bonnet, tu penses que le bonnet c'est pour Bait comme Laurie? Mais le bonnet, mec, on dirait le bonnet de Trafalgar Law dans One Piece, ça me rend fou. C'est Alpha One. Je sais pas, je tente au pif. Alors, on peut encore mettre le troisième indice, on enlève le modificateur de voix. Oh, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, il y a ça. Franchement, c'est ça. En gros, ouais, c'est. Je pense que la voix, vous allez trouver. Ah, mais ouais. C'est dur parce que là, une voix toute seule, quand t'as pas le contexte. Là, ma voix vous parle pas du tout. Oh, si. Attends, si. C'est une voix que vous connaissez. Non mais attends, c'est qui ça, je connais? Mais c'est pas dans Scooby-Doo. Non mais mec, attends. Mais moi aussi, ça me parle vraiment là. Oh non, c'est chiant. Attends, je cherche un truc à... Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille à la télé. Ouais, tu vois, pour moi, c'est genre quelqu'un qui présentait des émissions ou un truc comme ça. Quelqu'un ouais, qui... Mais c'est pas du tout de présentateur télé, attends, c'est terrible. Pour moi, c'est ça. Ah, pour moi, c'est ça. Je vais vivre mon angoisse. La personne va arriver et... Ah, vous allez être en mode... Oh mais oui, et moi, je vais être là, non, mon gars. Non. La voix est trop connue. La voix est trop connue, mec. Ça me rend ouf de pas comprendre, là. Ah non, j'ai pas envie de perdre. Ah, c'est dommage. Ça me tente tellement de faire poser deux, trois questions. Vas-y, viens, on pose des questions. Est-ce que j'ai raison sur mon analyse? Vous êtes quelqu'un qui travaillait dans l'univers de la télé, en tout cas? Dans l'univers de la télé, non. L'audiovisuel, oui. Attends, mets-toi de profil. Mets-toi bien de profil. Non, mais mec! Attends, je suis quasi sûr. Dis-moi, frérot, t'as pas un event de boxe en fin d'année, des fois? Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ah, putain! Oh non! Ah ouais, non, mais j'avais pas du tout! Ah, tu l'avais pas du tout? Ah, moi, je me disais là, j'avais un léger doute et je me suis dit non, j'aurais pas fait ça. Attends, les bonnets! Non, mais mec, moi, dans ma tête, j'allais dire Laurent Dutch! Ah ouais, les lunettes, le bonnet! J'ai tout changé là. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, mec! Attends, mais gros, je te rends compte, vas-y, viens, fais le tour! Attends, je passe par où? C'est par là-bas, je crois. Waouh, putain! Mec, je vous entendais faire des vannes, j'ai envie de faire des vannes avec vous. J'ai trop la haine, je me suis dit. Ah, mec, attends, c'est incroyable, je connais ce profil. Je suis très content que tu sois là, mais je suis deg qu'on n'ait pas trouvé plus tôt. Je pensais que vous alliez me cramer instantanément. Quand tu m'as dit méthode profil la première fois, j'ai fait, je suis mort, c'est fini. Ah, moi, c'est le profil qui m'a aidé. Ça m'a traversé l'esprit, j'ai fait, bon, non. Mais parce que la première fois, j'étais pas vraiment de profil. Je me suis mis comme ça. Oui, mais même, c'est le profil. Mais oui, c'est pour ça. Je leur ai dit, absolument pas que je me mette de profil. Sinon, c'est. Bah, moi, en fait, il y avait lunettes bonnet comme un peu. Ouais, lunettes bonnet, ça m'était. Mec, ça fait c'est un gag des lunettes, donc je connais pas. T'as dit l'époque lycée et tout? Enfin, ouais, l'époque lycée. Ouais, j'ai fait exprès. En fait, ça date un peu quand même aussi. Ça fait quand même, je crois, l'anecdote, elle a 12 ans là. Possiblement, la main qui t'a chopé, ouais. C'était potentiellement ce... Nous, c'est ce qu'on pense, mais on n'est pas... On a dit à la police tous les trucs et tout, et après, ils n'ont pas donné de suite, nous, sur le truc. Mais c'est trop bizarre, le truc, après, genre. Là, vous avez témoigné, il y a eu une enquête derrière ça. Bah ouais, c'est quand on a vu dans la maison, il y a eu ça. En fait, c'est quand on a vu l'article sortir, tu vois, on s'est dit, bah, faut qu'on leur dise, du coup. Ouais. Nous, on n'a pas été tenus au courant, tu vois. Et c'était à quelle période de la soirée? Genre, c'était pas en mode Halloween, en mode... Non, c'était en mode anniversaire dans l'année, tu vois, c'était avril, mars. Mais attends, mais mec, autant ils ont kidnappé quelqu'un. Ouais, probablement.
un gamin qu'ils ont laissé dans la cave. Tu n'as pas sauvé. J'étais terrifié, mec. Il fait noir, on me chope la jambe. Ouais, j'avoue, en plus, c'était un petit peu. T'es terrifié. Mais comment tu peux être serein d'avoir quelqu'un dans ta cave? C'est ça qui est. Dire, ouais, fais une petite soirée. Ah oui, le truc que j'ai pas raconté, c'est que quand on est remonté, du coup, il y avait le gars, on lui a dit, mais c'est quoi ce truc? Et il s'est mis à hurler et tout. Tu vous as dit, pas descendre, machin. Putain, mais le fait qu'il dédramatise pas en mode, quand vous dites, normalement, tu dis à quelqu'un, il y a quelqu'un dans ta cave, tu descends, tu dis, voilà. Là, le fait qu'il s'énerve et qu'il dit, je vous avais dit, pas descendre. Les trucs dans les films d'horreur, tu sais, du gars mais qui c'est exactement ça, frère. Mais du coup, t'es terrifié, t'as pas dit non, mais dis-nous, c'est quoi et tout. Vous êtes en mode, bon, vas-y, on reste dans la chambre. Si le gars s'énerve, à mon avis, juste en mode, ok. Bah ouais, nous, on est en mode, du coup, on s'est mis dans une chambre, lui, il est dans la sienne, on s'est plus calculé, puis le lendemain matin, on est parti, tu vois. Oh, la boule au ventre de la nuit, t'as dû passer. Frère, on était assis sur le lit comme ça. On attendait. Bah, si il regarde. Si tu regardes, arrête de faire des trucs comme ça, mon gars. Franchement, arrête de kidnapper des gens. C'est pas ouf, et vraiment. Je pense que c'est puni par la loi. Ouais, tu vas avoir des gros soucis. Bah mec, putain, bah trop content que tu sois venu. Bah pareil, c'est trop lourd. Cool. Les gars, musez-vous bien. Incroyable. Ouais. Vous allez vous régaler avec les prochains là. On est en loge depuis tout à l'heure tous. On kiffe de fou. Bisous, mon frère. Bisous, mon mal. A plus. Mais c'est toi qui as pas fait. Voilà, vas-y. Voilà. Wow. Bisous les gars. Vas-y, bisous. Putain, si, la lessive. Lâche ça en public. Bah oui, c'est mon concept. Mais oui, j'avoue. Oui. Putain, ok. Ouais, elle était dure quand même. Elle était dure. Ah ouais, elle était dure. Mais t'as essayé quand même de t'en mettre dans le pif de ça. Non, moi, je prends vraiment direct de la C. Oui, moi aussi. Mais peut-être on essaye. Toi, ça m'étonne pas de toute façon. Présente zen, c'est la télé ton truc. Mais c'est comme ça, les yeux globuleux, c'est quoi? Moi, ça me fait penser à Cyril Hanouna en vrai. Moi aussi, moi, c'est ça. Moi, je suis un peu le Cyril Hanouna de Twitch en vrai. Prochaine personne, prochaine invité, prochaine personne, je l'ai déjà dit. J'ai vraiment très peu de vocabulaire. On applaudit très fort toute la boîte de prod. Bravo à tous les techniciens, on tient à les remercier pour leur travail formidable. Alors on peut faire venir toute l'équipe de prod. Voilà, pour leur travail formidable. Moi, c'est bien même à cœur de le faire. Personne n'a bougé. C'est cool de mettre tout le monde en lumière, là. Les gars, on a un nouvel invité qui attend dans la boîte. Du coup, je vous propose de le laisser commencer à raconter son anecdote. Ah, bonjour quand même. Ok, ça attaque. Ok, mon guest, c'est Pascal le grand frère. Tu vois, j'ai pas envie de rigoler avec lui, là. Vous allez bien? Pas mal du tout. Ok. On vous laisse raconter l'anecdote, allez-y. Moi, c'est une anecdote qui m'est arrivée en 2009. 2009. T'avais 8 ans à cet âge-là. Je vais pas te mentir un peu plus. Mais je vais pas te mentir, pour moi, c'est un truc un peu de 30 ans max. Donc, je suis en 2009 et je passe Noël en famille. Connaissez Noël, la famille nombreuse. Et je passe Noël chez ma tante. Toute la famille se réunit chez ma tante. Belle table, ça part en petite huître, tout ça, bam, on a tous les délires. Et à un moment donné, arrive à la fin du repas, le moment des cadeaux. Sauf que moi, j'ai v'là une grande famille. Donc, j'ai dû offrir un cadeau à mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et je suis arrivé avec une bonne idée, selon moi. Ok, Billy. Donc, 2009, tu fais déjà des cadeaux aux autres. Soit tu gagnes des sous, soit tu es déjà un peu grand, en vrai. Donc, en 2009, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà presque majeur. Ah ouais, t'es né en 90, tu vois, peut-être. C'est vrai que ça se tient. C'est vrai que 2009, j'avais quel âge? Attends, on avait quel âge? On avait 12 ans. Peut-être 97. Ouais. 2009, t'as 12 ans. Ok, ouais, j'avoue, à 12 ans, t'as rien. Pas des cadeaux. Ouais, ou tu fais un truc fait main, quoi. Donc c'est quelqu'un un poil plus âgé que nous, je pense. Toi, t'avais 14 ans, du coup? 14, même 14 ans, tu fais pas de cadeaux, 14 okay. Piges Ouais, j'avais 14 ans. Après toi, 2009, t'étais à Bois d'Arcy. Tu venais de rentrer en prison, je crois. Ouais, ouais, c'était pour un crime non, tu sais, genre, j'étais pas pour grand-chose. À ouais, 20 ou 30%, mais c'était pas... Okay. Un coup de sang, il y a eu un coup de sang. Oui. Ah, ok. Ouais. Ça arrive. Je savais pas, c'est ouf. Vas-y, Billy, tu peux continuer. Donc, hyper vexant, mais oui, je suis plus âgé que vous. Donc, j'offre des cadeaux à toute ma famille. Donc, il y a quand même, genre, 10 cadeaux à faire. Et donc, qu'est-ce que je trouve comme idée cadeau? Ok, génie, attention, la petite pochette française des jeux. Vous voyez cette pochette? Oui, avec les jeux à gratter et tout, là. Ouais, ouais, ouais. Okay. Il y a plein de cadeaux dedans. Voilà, il y a plusieurs jeux à gratter, comme ça, t'offres tout le monde pareil. Tu vas dans un bureau de tabac, t'as fait tes 10 cadeaux, t'offres à tout le monde, c'est sympa, ça gratte, ça met une ambiance de dingue. Je connais la voix, ça m'en fout. Là, vous avez une idée de qui c'est ou pas? Non, mais c'est quelqu'un qu'on connaît, je pense, dans la famille. Je pense. Moi, j'avoue, j'ai rien, j'ai aucune info. Et justement, est-ce qu'on irait pas chercher le premier indice? Chicho. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un proche de notre milieu qui est assez jeune. En tout cas, très jeune dans sa tête, tu vois. Okay. Genre, là, tu le flattes de fou, je pense. Je suis analyste, je suis sociologue. Qui? Je vous laisse y aller. Qui veut y aller? Vas-y, Joyka, vas-y. Vas-y, j'y vais. Ah. Une boule, okay, disco. C'est moi qui ai dit, c'est une boule disco. C'est moi qui ai dit, les gars, regardez l'extrait, c'est moi qui ai dit en premier le Je l'ai dit très vite aussi après. Il a dit juste après, disco. Mais c'est déjà quand même après. C'est une boule disco, l'indice. J'ai deux personnes en tête. Quelqu'un qui est jeune dans sa tête, je vous le rappelle. Quelqu'un qui est jeune dans sa tête, ouais. Ça, c'est une boogie bombe. C'est sur Fortnite. Putain, imagine. J'ai écrit des articles dessus. Attends, si c'est ça, c'est sûr, c'est... Ok. Si je fais ça, par exemple, ça t'évoque quoi?
ça m'évoque Fortnite. Et si je t'évoque le code créateur, ça te parle? Ça me parle tellement pas. La boule disco, elle t'évoque un truc? Ouais. Jordan, U-Tunes. Je parle à U-Tunes, là. La grande ère du disco en France, c'est les années combien? 70? Ouais, je dirais que c'est les années 70, quoi, les 70s. Donc quelqu'un qui a connu les années disco doit être né au moins en 60. Donc ce serait quelqu'un, si c'est vraiment proche du disco, ou c'est Juliette Armanet. Le dernier jour du disco, tout ça, vous connaissez? C'est elle qui a chanté ça. Vous connaissez pas Juliette Armanet? Non, je sais pas. J'ai aucune culture. Mais U-Tunes. Le dernier jour du disco. C'est quelqu'un qui connaît Juliette Armanet. De ta peau. Bah écoutez, on vous laisse continuer. Donc je t'offre quand même sympathique. Vous êtes d'accord, je suis quelqu'un de sympathique. Ah, oui. Vous avez l'air très sympathique. Je suis quand même quelqu'un de sympathique. J'ai envie qu'on soit potes. J'offre la pochette à tout le monde, ma famille. Donc j'ai ma tante Eliane, ma cousine Virginie, mon cousin Alex, la famille quoi. Je vais pas tous les faire. On régale toute la mif. Et donc j'offre parmi la pochette à mon oncle René, a aussi une pochette. C'est drôle qu'ils disent les prénoms. Oui, moi aussi. J'ai peur qu'il fasse la boulette de son propre nom. Bref. Tout le monde commence à ouvrir les pochettes, ça gratte. Il y en a un qui prend, je sais pas, il y en a un qui prend 5 balles un jeu, il y en a un autre qui prend 20 balles un autre jeu, d'autres qui gagnent rien, vas-y, pas cool, ma pochette, elle gagne rien, tout ça. Vraiment, on est sur une ambiance de Noël, on est à 2 minutes de manger la bûche. Okay. Et mon oncle René, le bien nommé, gratte son millionnaire et tape 3 télés. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, les gars. Quand tu tapes 3 télés, tu passes à la télé et tu peux gagner jusqu'à 1 million d'euros. Quoi? Ouais. Attends, pourquoi je fais au courant? C'est sur un jeu à gratter, mais je crois que ça remonte pas mal. Ouais, y a plus les bails trottés, je crois. Je suis un mec de province, je viens dans un tout petit village, dans ma famille, un oncle, le soir de Noël qui tape 3 télés, la terre s'est arrêtée tournée, les gars. Le René qui passe à la téloche, on l'avait pas vu venir, celle-là. René à la téloche. Je te promets, c'est un truc de fou. Petite pause, est-ce qu'on met le deuxième indice? Non, mais je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît, ouais. Ou en tout cas, si on le connaît pas, je veux que tu sois mon pote. J'aime bien la vague. En fait, j'ai envie qu'il soit là. Justement, j'ai envie de mettre un visage là. J'ai envie de savoir. Ouais, j'ai envie de voir. Allez, une silhouette. Allez, la petite silhouette. Allez, on envoie la petite silhouette. Ah ouais, ça prend une pause particulière là. Une pause et tout. Mais qui es-tu? Je reviens, mon Samuel Etienne. Oh, Samuel Etienne, dis-toi comme ça. Non, c'est pas Samuel Etienne parce que ça me dit rien le disco. Vous avez l'air plus âgé que. Ah, il commence à vous voyer. Ça commence à vous voyer, la terre de ma famille s'arrête. Le repas de Noël, il est terminé là. Mais laissez-moi vous dire, à côté, il y a des gars, ils ont eu des PlayStation et tout. Plus tout le monde n'avait plus rien à foutre. Il y a un gars qui tapait 3 télés, qui allait passer à la télé sur une chaîne de télé. Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur France 3. Et donc, on sait qu'il va passer à la télé et tout, mais c'est fini. Les autres, ils avaient fait des cadeaux. Il y en a, ils s'étaient saignés pour faire des beaux cadeaux. Tout le monde s'en aucun foutait. Il n'y avait plus que le millionnaire avec les 3 télés. Mon oncle René, au bout de quelques mois, est appelé par la Française des Jeux et ça monte à Paris. Ça part en Ouigo, tranquillement, payé par la chaîne de France 3. Il monte à Paris pour faire tourner la roue. Il faut savoir que pour tourner la roue du millionnaire, il faut absolument rentrer sur le plateau télé. Il y a l'animateur qui fait le truc et tout, et tu tournes la roue, d'accord? Okay. Mais elles sont pas toutes diffusées. Ah, donc c'était pas du direct, quoi? Ah non, c'est pas en direct. Ouais, c'est pas en direct, ok. Donc il a tourné la roue, on l'a jamais vu à la télé, mais il a tourné la roue. Il a tourné la roue du millionnaire, dites-moi combien il a pris. Bah, pour moi, s'il n'est pas diffusé, c'est qu'il a pas pris le million. Déjà, ouais. C'est qu'il a pris un truc genre 10 balles. Vas-y, je vais dire qu'il a dû prendre une somme genre 100 balles, tu vois, un truc pas le mini non plus. Vas-y. Ça rembourse le. Enfin, même pas, ça rembourse pas. Ouais, je sais pas. Moi, il a tapé le million. Ah, tu penses qu'il tape le million et il n'est pas diffusé? Non. Bah, peut-être, je sais pas. Bah, on sent qu'il a les codes, Maxime. Bah, oui. En effet, il n'a pas pris un million, mais écoutez bien, mon tonton René, qui entre les huîtres et la dinde gratte un ticket de millionnaire, tape 100 000 euros. Oh, ça. Il tape 100 000. Ah non, mais c'est énorme en fait. Wow. Ok, je te coupe dans l'anecdote. Est-ce qu'on met le troisième indice? Je veux entendre la vraie voix de cet homme. Ouais. Mais il a dit Maxime, sans hésiter. Ça veut dire qu'il a bien révisé quelqu'un de très pro ou quelqu'un qui nous connaît. L'histoire continue ou il y a... Ah non, bah, l'histoire continue, je peux vous la finir si vous voulez. Bah oui, avec plaisir. Ta voix me dit un truc en fait. Attends. Je l'ai, je crois. L'histoire continue, c'est que mon oncle tape donc 100 000 euros, d'accord? Il gagne 100 000 euros, il nous le dit, machin, c'est génial, tout ça. Il redescend. J'ai trouvé. Ah ouais? Bah oui, c'est bon. Putain, pourquoi je l'ai pas? Mais mec, c'est bon. Oh non. Continue, monsieur. Il redescend dans le sud, je viens du sud, il redescend dans le sud, ouais, écoutez bien, 100 000 euros, oui. Il achète une voiture à ma cousine, normal, sa fille, pas de soucis. Il achète le dernier Mac à son fils, il se fait une piscine, bah, c'est normal, il a gagné 100 000 euros, il en fait ce qu'il veut, il s'est déclaré aux impôts, tout ça, vous pouvez y aller, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème, il est clean, il est carré dans l'axe. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il m'a offert à moi, qui lui a offert le ticket? Oui. Écoutez bien, il m'a ramené le t-shirt du millionnaire qu'on lui a offert sur le plateau. Ah, oh, j'ai offert un ticket de millionnaire qui a fait gagner 100 000, je suis reparti avec un t-shirt et mon frère a eu la serviette éponge pour aller à la piscine. Il est venu en découdre en vidéo.
il vient raconter l'anecdote, il fait René, la vie de ma mère. J'ai des comptes à régler. Moi, j'ai une anecdote comme ça, quand j'ai fait les 12 coups de midi, je suis arrivé en finale et tout, et ils me disent, ouais, t'as gagné un truc dans un relais château, tu sais. Trop bien, bah tiens, je donne à ma mère, c'est un truc en mode Talasso dans le sud de la France, etc. Ils appellent, ils me disent, écoutez, on n'est pas du tout au courant de ce truc. On n'est pas du tout au courant et tout. Et ma mère, attends, mais je comprends pas, il y a écrit que j'ai gagné et tout. Ben, ils avaient pas, ils étaient pas au courant. Oh, ils ont offert un truc, mais je pense qu'ils sont pas coordonnés avec. Attends, ça veut dire que ta mère, elle a pas pu profiter de... Si, parce qu'à la fin, ils ont dit, bon, écoutez, venez, venez, enfin, voir ce qu'on peut faire. Donc, elle est vraiment partie, mais les gars n'étaient pas du tout au courant. La voix, elle me parle. Mais les gars, vous êtes fous. Quand vous allez voir le reveal, vous allez dire, ok. Ça va me rendre fou. Mais attends, mais c'est pareil, moi aussi, mais. Attends, par contre, je peux très vite passer pour un con. Non, non, mais je suis sûr à 100 000%. Attends, et ça c'est cohérent avec ça? Oui. Putain, mec, ça me... Est-ce qu'on peut continuer? T'as fait le lien? T'as fait le lien? Mais oui, non, mais mec. Oh putain de merde! C'est quelqu'un que j'ai jamais vu en vrai. C'est bon. Mais que je connais. Les gars, j'ai pas. Oh, c'est bon. Oh, est-ce que tu peux te remettre de profil? J'ai trop. Tu veux que je me remette de profil? Ouais, s'il te plaît. C'est tellement. Tu veux un indice? Vas-y. Ouais. Ça commence par Doua, ça finit par Lipa. Ça dit rien, Doua, Lipa? Ça te dit rien? Ça te dit rien? Ça te dit rien? Ok, c'est quoi, c'est la première lettre? Vous voir si vous êtes d'accord? Il s'appelle Xavier, après c'est un nom composé. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et on savait pas où il était jusqu'à maintenant. Et qui d'ailleurs, beaucoup de gens. Beaucoup de gens s'interrogent. Il est où Xav? Il est où Xav? Il est où Xav? Il est où ce Xav là? Il est où ce Xav? On l'a cru le voir il y a pas longtemps. Exactement. On l'a cru le voir il y a longtemps. Un moment en avion, il y a quelqu'un à l'aéroport qui se dit c'est toi Xav? Non. C'était pas lui. C'était pas lui. Il serait là. Et c'est ce gars. C'est ce gars là. Je suis choisi YouTube pour revenir, les gars. C'est pas moi. Je voulais faire un vrai comeback et je pensais que c'était là. Ouais. Pour le faire. Ben, bien sûr. Who's back? La première lettre, c'est C, mon gars. Ouais. Fallait pas dire, ok. Ok, non. Je pense que j'ai alors. La deuxième lettre, c'est O. Non plus. Couille. Eh oui, c'est Philippe Couille. Il y a un mot que je te connais pas. C'est pas Koé, parce qu'on sait que toi, t'es fan de Koé, hein. Dis-le. Oui, on sait que t'es fan, ouais. Non. Essaye de t'imaginer et regarde leur joie d'avoir deviné qui j'étais, qui est pas ouf. Donc dis-toi, va pas chercher un autre trop ouf. Tu vois bien que c'est leur joie, elle est pas ouf. Mais de savoir que c'est moi. Moi je suis trop content. Moi je vais pas chercher trop loin dans la folie. Non, si, je suis très content. Moi je suis très content. Pas États-Unis, tout ça quoi. Ça reste région parisienne. On est sur de la région parisienne. Et on s'est vu une seule fois de manière oculaire. Là ça m'embête, je suis dans l'embarras. Ok, attends, on va t'aider parce que moi, c'est sûr que tu connais. Tu regardais pas la télé. Si. Tu regardes pas la télé. Je regarde pas la télé, mais. C'est un énorme indice, c'est quelqu'un qui est beaucoup à la télé. Qui est très très costaud à la télé. Oh. Aïe. Attends, tu peux parler, raconte-nous... Télé, radio... Tu l'as? Ouais, ça y est, putain... Attends, ouais, tu peux te mettre de profil? C'est Jean. C'est bon, je sais, ça y est. Ok, je peux dire? C'est Nikos, mais la version Wii. Je sais. Non, t'es fou, quoi. Ok, est-ce que c'est Camille Combal? Oui, exactement ça. Je vous rejoins? Ouais, vas-y, tu peux nous rejoindre. Ah, oh, trop bien. Putain, j'ai mal, j'ai chaud, j'ai mal aux joues et tout. T'as eu peur de la... Ah, mec, j'ai eu trop peur. Je me disais, mais non, mais je connais pas la personne, c'était ma phobie. C'est pas si incroyable que mais ça. Si, franchement, c'est regarde leur tête, c'est pas... Non, mais si, je suis trop content d'être là, les gars. Ça va? Ouais, super. Ravi. Ouais, on se connaît pas. Ça me fait plaisir. Ça va, mec, tu vas bien? Ça va très bien, très bien. Salut, mec, ça va? René, il s'est mis... Attends, du coup, l'anecdote, elle est incroyable. L'anecdote est pas mal. Elle est folle, l'anecdote. À Noël, souvent, quand on fait ça, on dit, bon, celui qui gagne, on partage. Je l'ai pas dit avant, mais je crois que même si je l'avais dit, il n'y aurait pas eu de partage. Mais j'ai perdu mon t-shirt du millionnaire, sachez-le. Il m'a longtemps servi à laver ma voiture et aujourd'hui je l'ai même plus ça. Hey, j'ai mis du temps. T'as mis beaucoup de temps. J'ai mis du temps. Mais je pensais. Attends, toi t'as trouvé super vite. Mais mec, je connais super bien. Mais vous avez reconnu au moment où la voix a plus été modifiée. En fait, ta voix me disait grave un truc, mais j'arrivais pas à remettre. Est-ce que t'as capté la boule du coup? J'ai pas la boule. Mec, ça t'évoque quelle émission ça? Dans Secret Star. René, tu lui as. Est-ce que tu. À un moment, t'as crevé l'abcès, t'as dit, ouais, René, c'est ouf. Ouais. C'est la première fois, sachez-le, que j'affronte le truc et que je crève l'abcès. Mais René, c'est la première fois. Jamais cette en fait, vidéo. C'est ça le concept. Ben, René, je pense vraiment, la dernière fois, il était sur Liberty Surf, tu vois. Il doit encore avoir une adresse caramel. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, il verra jamais ces vidéos. Est-ce qu'il y a une probabilité que, genre, ses enfants ou autres qui regardent la vidéo ou les arrières, je sais pas, les petits-enfants ou autres, ils regardent, ils envoient. Respecte-le quand même, les arrières petits-enfants, il a dit. C'est pas Godefroy de Montmirail, non plus. Petit fillot. À mon avis, il sera au courant, on va en plaisanter maintenant. Mais sache que même par principe, je me suis jamais baigné dans sa piscine. Mais un Noël très joyeux pour René, là. Le Noël, je vais pas vous mentir, était super. Est-ce que le Noël d'après, t'as racheté des tickets à gratter ou pas? Est-ce que tu te souviens de ça? Je crois, je vais pas te mentir, je suis pas joueur, j'ai plus jamais racheté de tickets à gratter. Toi, tu seras forcément déçu, quoi. Non, là, t'as plus envie, quoi. Tu veux
veux plus rien les, lui offrir. Les trois télés à l'époque, c'était vraiment une institution, tu vois. Mais imagine-toi, pour de où je viens, trois télés, c'est non seulement, ça veut dire que tu vas gagner au moins 10, 20 000 euros, ils ne te font pas monter à Paris pour 40 euros, tu vois ce que je veux dire. Donc tu pars pour ça et tu passes à la télé. Tu passes à la télé, c'est un truc de dingue. Parce que si t'es en province et que tu. Déjà, juste le fait d'aller à Paris pour une émission, t'es là, mais c'est là, c'est. C'est un truc de fou. Tu le sais très bien, t'as acheté les chaussures neuves, t'as laissé Célio au club, t'as acheté le petit costard et tu peux. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais fait les. Putain, question que je me pose, il gagne 100 000 balles et il est cut de la. Il passe pas à l'émission, quoi. Je pense qu'il y a tellement de candidats, tu sais, il y a quand même des gars qui gagnent les trois télés. Et en gros, l'émission, c'était une fois par semaine, il passait 3-4 mecs, ça allait assez vite, tu vois. Et donc, en gros, à mon avis, il devait y avoir 15-20 candidats et puis garder où ceux qui étaient un peu ouf. Et mon oncle René, comme son prénom l'indique, n'est pas un ouf. Et il a pas pris le million. Je pense qu'avec le million, il serait passé. Ouais, il était très chill, quoi, René. Et on t'a pas demandé, mais comment tu vas? Ben, merci de demander. Ben, écoute, ça va bien. Merci d'en parler. Si je dois faire un bilan de ces quelques années qui se sont écoulées, je dirais que ça va. Ou c'était plus un petit truc politesse comme ça. Non, c'est pas. Je suis trop content d'être là, les gars. Bah, trop content que tu sois venu et tout. Ça me fait trop plaisir aussi. Moi aussi, je suis content. C'est cool. On est super loin, quand même. C'est qu'on est loin. Non, mais je suis désolé, Laurie, elle était pas si loin. Mais j'avais l'impression qu'on était loin, que c'était reculé. Après, j'ai chanté d'aftershave. Peut-être qu'il y a eu un truc. Les équipes ont dit mettez-le un peu loin, parce que quand même, c'est le siège. On dirait que je suis dans un bar, mais qu'on n'est pas à la même table et qu'on sympathise. Mais loin dans le bar, tu sais. Je crois que les deux équipes dans Koh-Lanta sont un peu plus proches que ce qu'on est actuellement dans ce studio. C'est fou. Vous allez faire quoi de toutes ces plantes maintenant que le tournage est fermé? Parce qu'il y en a énormément. On va tout garder pour peut-être l'épisode 3. Très bien. Mais c'est un teasing de fou là. Pas tant en vrai, parce qu'on on s'y attend quand même beaucoup. Je trouvais ça méga original là. Tu arrêtes de me couper. Voilà, voilà. Et vous, ça. C'est pas. Il fait frais en ce moment. Il n'y a pas de saison, t'as vu? C'est en une journée, t'as 4 saisons. Ouais, c'est fou. Il pleut, on arrive en été et tout, c'est fou. Il pleut. J'aurais besoin d'honnêteté, j'ai quelle tête avec ma casquette à l'envers depuis tout à l'heure? Ça marche. C'est vrai, ça marche. Ouais, ça marche. C'est comme ça, il dit je suis jeune, fais ça, je suis jeune. Je suis jeune. Bah oui, c'est vrai. Je peux même te faire mieux, je peux faire quelqu'un qui veut faire un message à la jeunesse. Yo les jeunes, ça va? On est branchés? Carré, croix, triangle? Wow. Est-ce que tu veux faire l'outro avec nous? Faire l'intro? L'outro, la fin de la vidéo. Ah, l'intro, bah oui, si je fais l'intro, du coup, c'est pas génial. C'est un peu, le concept est nickel. Bah, et ouais. Par rapport au concept, c'est... Par rapport au concept, exactement. Ouais, je veux bien faire l'outro, bien sûr. Messieurs, dames, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci Maxime, merci Jordan de m'avoir accompagné dans ce petit format. Merci Camille d'être venue. Ça m'a fait très plaisir, merci les gars de m'avoir accueilli. Et l'anecdote était vraiment zinzin, et on embrasse René si jamais il passe par là quand même. Et Eliane aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de René, et je trouve qu'on l'a laissé un petit peu. Et c'était chez Eliane, qui quand même a des huîtres de grande qualité. Je crois que c'est important aussi de tata Eliane. Eliane, on t'embrasse. Hein. Je sais pas ce que tu foutrais sur YouTube, mais on t'embrasse. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit like, vous abonner, que ce soit la chaîne de Joyka, la chaîne de Maxime. T'as une chaîne YouTube, c'est vrai, Maxime Bialgi? J'ai une chaîne YouTube. Twitch aussi. J'ai une chaîne Twitch. Camille, où est-ce qu'on peut te suivre? J'ai un MySpace, moi. Ah ouais, putain, On est 14, là, je mets un peu des sons, parce que je fais un peu des bootlegs, des remixes. Ah ouais, peut-être une connexion. On va se connecter, on va se brancher avec Camille. Bah ouais, voilà. N'hésitez pas à aller sur mon MySpace, c'est Sexy Camille. Je suis sûr qu'il existe un sexy Camille qui va recevoir des followers et on va se dire, mais quoi. J'espère tellement pas pour lui. Ouais. Mec, ça décolle, ça y est. Ça décolle, ça y est. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mastu, Maxime, Joyka et Camille. Bye bye.